la bonne occasion de graver un bel objet en l'honneur du nouveau Ballon d'Or, Karim Benzema. Mais du coup, on transforme cette vidéo en tuto, comme ça toi aussi, tu pourras faire de jolies gravures laser. Première chose à faire, c'est choisir la photo. Moi, j'aime beaucoup celle-ci de Karim. Et ensuite, tu vas te rendre sur ce site qui s'appelle Image Air. Ensuite, tu descends, tu vas venir uploader ta photo. Et une fois que c'est fait, vous allez tout en bas de la page. Ce que vous allez faire, c'est choisir le matériau. Et pour moi, ça sera donc de l'ardoise, donc Black Slate. Le truc super important, vous allez voir, c'est que les cheveux vont être blancs là, ici. Et moi, je veux qu'ils ressortent contrastés sur l'ardoise. Donc là, on va venir sur la gauche, jouer avec nos paramètres. Et là, on va faire un invert. Donc ça va permettre d'inverser les couleurs. Donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est jouer avec les ajustements. Donc vous avez tout un tas d'options. Donc après, vous voyez ce qui vous plaît le plus. Une fois que c'est terminé, vous allez la télécharger au format BMP. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à importer ma petite photo. Bien sûr, derrière, vous venez l'adapter à la taille que vous voulez, hein, logique. Allez, on commence à deviner la photo, là. Franchement, le résultat, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Bon, par contre, je me suis vraiment chié sur le cadrage. Je vous fais des gros bisous.